Bonjour à tous, bienvenue. Je vous retrouve avec plaisir dans la charmante ville de Forges-les-Eaux, dans le Pays de Bray, pour vous parler de l'événement Forgeon de l'été, Juillet en fête. Juillet en fête, c'est un mois complet de festivités, avec la traditionnelle fête de l'Andelle, la fête du cheval, le festival des marionnettes et bien d'autres surprises. Bonjour Michel Lejeune. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans la salle des mariages de Forges-les-Eaux, qui est aussi un musée. Ah oui, cette salle sert également d'abord pour faire les unions, hein, bien entendu. Et puis, c'est également le musée des faïences. Les faïences de Forges qui sont très connues, très cotées, qui ont une grande vogue entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, grâce à un Anglais qui s'appelait Monsieur Wood, qui était arrivé déjà à l'époque à Forges. On ne parlait pas du Brexit, ni du départ de l'Angleterre. Et lui, il était arrivé là, il s'est installé, il s'est marié, il a monté une fabrique de faïence, qui est quelque chose de magnifique. Alors on a dans cette collection des pièces qui sont très très belles, des pièces qui sont rares, que la commune a achetées, mais aussi que la commune a eu en don, parce qu'il y a des personnes qui nous ont donné des faïences pour les conserver, bien entendu. Et elles sont exposées là, et c'est toute l'histoire de Le Forge qui est dans ces faïences, et aussi l'histoire de France, parce qu'à l'époque, on représentait dans les assiettes, en fait, c'était pas fait pour décorer, c'était fait pour être utilisé, et on représentait un peu les scènes de la vie courante de l'époque, des choses extraordinaires qui paraissaient extraordinaires aux gens de l'époque, l'arrivée de la première girafe en France, c'est assez rigolo, et puis c'est vraiment l'histoire, on voit toute l'histoire qui se déroule sur un siècle pendant toute cette visite. Les faïences se sont arrêtées vers 1890 à peu près et nous avons eu un petit martiniquais, Alexandre, qui était mon ami, qui est revenu et qui a refait beaucoup d'imitations dans la faïence de Forges. Il a fait beaucoup de choses très très belles également. Et puis Alexandre, un jour, il a eu le mal du pays. Alors il est reparti aux Trois-Îlets, à la Martinique, où il vit heureux comme un roi là-bas. Mais nous, on ne l'a pas oublié toujours. Et ce musée des faïences de Forges-les-Eaux, on peut le visiter ? Ah oui, on peut le visiter. Alors, il faut demander à l'office de tourisme, bien entendu. L'office de tourisme délègue une personne qui vous accompagne pour le visiter. Parce que, bon, forcément, les pièces sont sous sécurité. Oui, les pièces sont très belles. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est qu'elles sont colorées. Oui, il y a beaucoup de couleurs. C'était très joli. Et c'était, en plus, vous voyez, des pièces très utilitaires. Quoi. Ça va du vase à la tabatière, en plat à barbe, par exemple. Quelque chose qui a totalement disparu chez nous. Des terrines pour mettre les pâtés de lapin, enfin il y a tout, c'est vraiment la vie de l'époque qui est illustrée. Quoi. Et oui, en tout cas c'est une belle idée de visite pour cet été, pourquoi pas. Alors Michel Lejeune, revenons peut-être à Juillet en fête, qui est l'événement incontournable de Juillet à Forges-les-Eaux. Quels sont les événements incontournables ? Alors, ben, tout est incontournable à Forges. Hein. Vous ne pouvez plus partir de Forges. Quand vous arrivez, vous êtes obligé de rester à Forges. Il y a donc les voitures anciennes. D'abord, le festival du 14 juillet, avec une chanteuse connue qui s'appelle Julie Pietri, qui va venir terminer le concours de chant, qui est comme d'habitude organisé avec des chanteurs de grande qualité. Donc, c'est la fête du 14 juillet traditionnelle. Après, nous avons la fête des voitures anciennes autour du lac de l'Andelle. Des très belles voitures, de plus en plus nombreuses, tout le monde est content. Et tout ça, ça suit le festival des marionnettes également, parce qu'il y a toujours le festival des marionnettes qui a prévu beaucoup de spectacles différents, à la fois sur la Forge et aussi dans les communes environnantes. Il y a tout ça. Après, bien entendu, après la fête des voitures, on arrivera à la traditionnelle fête du cheval. Et ensuite, on a une fête du poney qui se terminera au mois d'août. Donc une fête des poneys avec des animaux vraiment de très grande qualité, très très, très beaux animaux, de race pure, qui sont présentés par des gens qui connaissent bien le sujet. Alors il y a beaucoup de choses, on peut rester à Forges très très tout l'été, il n'y a pas de problème. J'imagine que c'est un gros travail d'équipe d'organiser un tel événement Juillet en fait. Ah oui, c'est un gros travail d'équipe. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Le comité des fêtes, le comité des sports équestres, les employés communaux, tout le monde travaille pendant tout le mois de juillet. Effectivement, c'est une grosse équipe qui est bien soudée, maintenant qui est rodée, et ça marche assez bien, quoi. Et à Forges-les-Eaux, il se passe toujours quelque chose. Racontez-nous, par exemple, il y a l'équipe d'escrime de France qui vient ici s'entraîner.
Voilà, alors cette année, nous avons la chance d'avoir du 22 au 27 juillet le stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Rio de toute l'équipe de France d'escrime, c'est-à-dire les trois armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Les hommes et les femmes viennent donc préparer ici les Jeux Olympiques de Rio qui doivent commencer début août. Et ils sont là en stage de préparation, ils prendront le départ de Forge pour partir directement à Rio, là-bas où ils commenceront déjà à concourir dès le mois d'août. Eh bien, merci Michel Lejeune pour toutes ces informations. Ben, merci d'être venu nous voir, ça nous fait toujours grand plaisir de vous avoir. Bonjour Joe. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu nous parles de la Forge Academy. Alors en quoi consiste ce concours de chant ? Alors c'est un concours qui permet de réunir 25 jeunes de toute la France qui pendant 5 minutes permet de chanter une chanson et d'essayer de séduire le jury et le public. Voilà, donc tu es jury, donc tu évalues avec d'autres membres du jury des candidats. Il y en a 25 à peu près ? Il y en a 25 l'après-midi, donc le concours commence à 16h, il y en a 25. On est plusieurs à les noter, il y a des points sur la voix, il y a des points sur la prestance scénique aussi, et aussi sur la difficulté de la chanson. Et donc à l'issue de ces 25 prétendants qui chantent, ils en retiennent que 12, et donc les 12 rechantent le soir pour avoir qu'un seul vainqueur. Et la soirée se termine en beauté. Voilà, tout à fait, avec une ancienne gagnante de l'année dernière qui vient faire la première partie de Julie Pietri, voilà. Julie Pietri qui est la star de cette Forge Academy le 14 juillet. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce concours de chant ? Tout simplement, c'est de se retrouver tous ensemble parce que l'équipe de Forge Academy et d'ailleurs toutes les équipes qui travaillent sur Forge les Eaux sont vraiment sympathiques et c'est vraiment une famille. Donc c'est vrai que quand on arrive ici pour participer à ce concours, c'est vraiment pour se faire plaisir et tous se retrouver. Et c'est un concours quand même qui est reconnu au-delà de Forges-les-Eaux, au-delà de la Seine-Maritime. Ah oui, on en entend parler. Hein. Moi, j'ai déjà chanté un concours à Le Mans et des prétendants m'ont dit qu'ils avaient déjà entendu parler de ce concours-là. Et c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de concours dans la France et j'ai jamais vraiment trouvé un concours aussi familial que celui-là. Et je conseille à tout le monde de venir ce 14 juillet à Forges-les-Eaux. Mais merci à toi. Bonjour Martine. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien, très bien, dans les préparatifs du Festival de la Marionnette. Et oui, vous êtes avec des enfants qui ont des très belles marionnettes. Voilà, donc cette année, il y a un petit plus pour le festival, pour l'ouverture du festival. Nous avons convié les enfants à fabriquer des marionnettes dans le cadre des activités périscolaires. Et ils se sont prêtés de bonne grâce à cette fabrication avec des chaussettes et fabriquer toutes ces belles petites marionnettes. Cette année, c'est la 16e édition du Festival des marionnettes. Comment vous expliquez ce succès ? Parce que c'est ouvert à tous, que ce soit les petits ou les grands, les adultes étant autant passionnés par ces marionnettes que les enfants. Les marionnettes, c'est intemporel, ça s'adresse à tout le monde, ça suit l'actualité au fil du temps. Donc les adultes attendent autant que les enfants le festival. De nombreux spectacles vont être à découvrir. Il y a des spectacles que l'on dit plutôt fondamentaux. Ah oui, bien sûr. C'est incontournable. On retrouve toujours les fondamentaux avec les contes, le petit chaperon rouge. Il y a les petits cochons, la petite souris et les contes. Voilà, ça c'est les fondamentaux. Mais il y a aussi des nouveautés, tant pour la technique que pour les histoires. Pour l'ouverture, Poussière d'étoiles qui raconte la naissance de l'univers, mais aussi la naissance d'un enfant de façon très très poétique. Pour clôturer aussi un spectacle aussi assez fort avec l'Odyssée de Moti qui est un petit mammouth qui va revenir parmi les contemporains et il cherche sa maman, ce petit mammouth. Alors évidemment 5000 ans après il y a eu beaucoup de changements, c'est un petit air l'âge de glace pour ceux qui connaissent. Donc aussi très très beau spectacle, mais tous sont à voir bien évidemment. Il y en aura une douzaine en tout, dont 10 sur Forges-les-Eaux. Et le Festival des marionnettes, donc c'est du 6 au 10 juillet. Où exactement, Martine ? Alors, à l'espace de Forges, en extérieur, si le temps s'y prête, le jeudi matin et le dimanche matin. Et puis 2 sur l'extérieur, à Gaillefontaine, le vendredi matin, et à Saumon-la-Poterie, le samedi après-midi.
Eh bien, merci Martine pour toutes ces informations. Merci à vous. Et nous poursuivons notre balade. Direction tout de suite le domaine de Forges-les-Eaux. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphanie. Vous allez bien ? Très bien. On est ici dans un très bel endroit. Je ne savais pas qu'il y avait une plage à Forges-les-Eaux. Oui, il y a une plage à Forges-les-Eaux qu'on appelle ici à Forges-les-Eaux la Forge Beach. C'est un des éléments du domaine de Forges. C'est le casino, le cœur du domaine, le parc avec les hôtels, un practice de golf, toute une série d'activités pour l'été et la plage. Et d'ailleurs, cet été, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'animations ici. Alors, on a toute une série d'animations. Puisqu'on parlait de la plage, dans le cadre d'une opération Groupe Partouche qui s'appelle la Tournée des plages, la Tournée des plages du Groupe Partouche se terminera à Forges-les-Eaux, autour du lac et auprès de cette plage. Ce sera les 26 et 27 août avec toute une série d'animations, DJ, soirées, concerts, jeux pour les enfants et pour tout le monde. Et puis au-delà de ça, tous les samedis soirs, il y aura du soleil, on en est sûr, en juillet et août, tous les samedis soirs, la Forge Beach sera ouverte. On est avec barbecue, une scène avec DJ et concert. Et pour terminer juillet, en fait, puisqu'on parle de cet événement aujourd'hui, il me semble qu'il y a ici un feu d'artifice. Ça, c'est la grande tradition avec la ville de Forges, c'est de terminer par un grand feu d'artifice que l'on mène ensemble ce soir-là. Et c'est un gros et beau feu d'artifice. Et oui, j'imagine que c'est grandiose. Mais merci beaucoup, Jean-Marie. Jean-Marc, elle est trop belle, votre voiture allemande. C'est une des premières Mercedes diesel. C'est le diesel date de 1936, injection directe. Et ça, c'est un des premiers modèles. Voilà, elle est de 1952. C'est un véhicule 4 cylindres, donc diesel, injection directe, pompe Bosch, 40 chevaux avec une vitesse maximum de 105 km/h. 105 km/h, mais vous les atteignez pas souvent ? Jamais. Le plus que j'ai fait, c'est 85, avec beaucoup de difficultés parce qu'elle vibre. C'est pas habitué, c'est pas les roues ne sont pas équilibrées, donc c'est 80, elle roule bien. Bon. Et le moteur, vous l'avez restauré ? Tout a été démonté et refait. La seule chose qui n'a pas été refaite, c'est la peinture. C'est une peinture spéciale qui est dessus. C'est une peinture, c'est d'une couleur d'origine. C'était une option Mercedes. Elle sortait à 95% noire et il y avait des options. Il y a eu 11 000 véhicules 170DS de fabriqués entre 1952 et 1953. Et il reste 8 cartes grises de véhicules roulants 170 en France. Elle a beaucoup de particularités, votre voiture. Alors, on a vu les clignotants pour tourner, mais elle a aussi d'autres choses. Elle a la climatisation, qui est très rare, puisque les véhicules climatisés à cette époque-là n'existaient pas. Et bien ça, c'est une 170, alors je le dis comme c'est marqué, climatisation. Oh, wunderbar. Alors, vous allez faire, Jean-Marc, la fête de l'Andel prochainement à Forges-les-Eaux. Et la fête de l'Andel, c'est ce qui est de plus inscrit dans notre calendrier. On ne peut pas louper, c'est la plus belle fête qui existe, au moins dans le nord de la France. Et c'est le 24 juillet, pour les gens qui font le défilé, ils viennent à 8h30 au lieu de rendez-vous. On est accueillis avec des croissants, du café, des sourires. On fait une balade très bien encadrée, très bien cernée. L'année dernière, il y avait dégustation d'escargots. Et puis, suite à la balade, on revient et on se retrouve tous ici. On mange ensemble et on fait une fête fantastique. Tous ici autour du lac, il y a à peu près 500 voitures anciennes qui sont réunies. Oui. Alors, l'année dernière, je crois que c'était 470 véhicules qu'il y avait. Merci beaucoup, Jean-Marc. Mais de rien. Nous sommes maintenant dans le bois de l'Épinay en compagnie de Valérie et Sarah. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Valérie, prochainement, vous allez participer à la fête du cheval ? Oui, tout à fait. Le dernier week-end de juillet, nous participons à la fête du cheval dans la catégorie âne, puisque nous présentons de la race normande, mais également du commun, lors de cette fête, donc samedi. Et le dimanche, nous participons au grand défilé qui a lieu dans les rues de Forges. C'est une fierté pour vous de participer à ce concours ? C'est une grande fierté de participer à ce concours, également une grande fierté de participer à la fête en général. C'est une fête qui regroupe beaucoup de monde et c'est une très grande fierté pour les enfants qui nous accompagnent. Ce jour-là, nous avons à peu près une quinzaine d'ânes et toute l'année, les enfants ont bichonné les ânes. On a choisi également un thème qu'on ne vous dira pas cette année. Ce sera la surprise et voilà, pendant le défilé, on sera déguisés et pendant le concours, individuellement, les enfants présentent les ânes devant le jury et ils ont travaillé toute l'année pour essayer de le présenter de façon correcte. Sarah, tu l'aimes beaucoup ton âne. Comment il s'appelle ? Bottine. Merci à toi, merci à vous. Merci, au revoir. Christine, je suis ravie de vous retrouver ici dans le bois de l'Épinay. J'aimerais que pour tous les téléspectateurs de la chaîne Normande, vous nous redonniez toutes les clés de la fête du cheval. C'est pour moi aussi un grand plaisir de vous retrouver. Nous avons des incontournables ou des classiques, dirons-nous, pour la fête du cheval. Entre autres, le feu d'artifice le dimanche soir à 22h30 qui est tiré sur le casino et sur le lac de Landelle. Autre incontournable, le concours hippique. Le défilé le dimanche matin dans la ville avec des cavaliers en individuel et des attelages. Une messe en plein air avec les trompes de chasse. Ensuite, en autre classique, nous avons un village d'exposants, marché fermier. Et donc, il faut aussi parler des nouveautés. Dans les nouveautés cette année, donc, on aura des numéros artistiques un peu différents. Un numéro sur un machinois, un numéro avec des échelles, des acrobaties, un numéro de dressage de chiens également. Entre tout cela, il y a de la musique, donc la country qui fait partie maintenant de ce week-end de la fête du cheval. Et pour la première année, nous allons avoir le dimanche soir un concert avec un orchestre local, les Collines Thomas, en live avec chanteurs, danseurs, voilà, pour que tout le monde puisse s'amuser très longtemps et que la fête se termine par une note de festivité et de joie, comme nous avons l'habitude de vivre pendant ce week-end. Voilà, mais ça promet d'être une très belle fête. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Bonjour Eugénie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ponette ? Alors, c'est une ponette Connemara, elle s'appelle Rain Dance, et voilà, elle est de robe Isabelle, caractéristique de la race. C'est un poney qui est plutôt grand. Ah oui, oui, c'est une race de poney qui est pratiquement maxi-taille de ce qu'on autorise dans les poneys. Eugénie, vous êtes l'organisatrice du Summer Pony Show. J'aimerais que vous nous présentiez cette manifestation. Ça se organise dans le bois de l'Épinay le 6 et 7 août. Il y a à peu près 250 poneys, donc tout le week-end. Nous, on est une association qui promue les races natives pony, donc de Grande-Bretagne et d'Irlande. Donc on a à peu près 250 poneys sur le week-end, avec des juges qui viennent de toute l'Europe et même cette année d'Australie. Le samedi, on fait un label loisir avec l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et le dimanche, on fait donc des shows à l'anglaise toute la journée, donc avec les races d'Aile, Connemara, Welsh, Shetland et Highland. Et ensuite, on fera un Pony Games. C'est des jeux par équipe de race, en fin de compte, pour présenter les poneys dans leur utilisation. Et le Summer Pony Show connaît un vrai succès ici à Forges-les-Eaux ? De plus en plus, oui. On a des gens qui viennent de toute la France et maintenant même des pays frontaliers. Merci beaucoup, Eugénie. Merci beaucoup à vous. Et je voulais passer un grand, grand merci à la ville de Forges et à toute son équipe. Un grand merci de croire à notre événement. Pour terminer cette émission, je vous retrouve dans un cadre plutôt agréable, la Forge Beach. Et bien voilà, vous l'avez vu, les événements de l'été à Forges-les-Eaux sont riches. Il y a de nombreuses animations pour juillet en fait. Et pour retrouver toutes les informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la ville de Forges-les-Eaux. Très bel été à tous, je vous embrasse, à très vite sur LCN.